Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Maurice Moshe Ben Sultana, Moshe Michael Ben Alin Machla Rachel, Claude Shlomo Ben Shalom, David Ben Fabre, Mazel Fritna, Lucien Betrina, si vous souhaitez, voici l'idée d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous aussi, nous sommes Sota, Père Guimel Mishnah Bab. Nitmet Minchata Adjelo Kocha Bekli, Arei, Kechol Amenachot Vetipade, Veyim Mishé Kocha Bekli, Arei, Kechol Amenachot Vetisarif. אלו שמחוטט נשרף אותה, אומרת, תמע אני לך. ושבאו לה עדים שהיא תמע, והאומרת, אין נשותה, ושבעלה אין רוצה להשקוטה, ושבעלה בא עליה בדרך, וכל הנשואות לכהנים, מנחותיהן נשרפות. עונה עם משנה, כי בפרלי אינטגרלמן, דולה מנחה דולה סוטה. אבק כלכל לא עדו מנחות, הקונט, כמו והקומפרי אנסוויט, ספציפיקמן, האוקה דולה מנחה דולה סוטה, כמו ספס, פי פרסיזימן. שמקספיק. D'abord, dans le rituel de la sota, on a déjà évoqué que la sota, pour se faire vérifier est-ce qu'elle a fauté ou pas, en plus de boire l'eau au Beth-Amigdash, il fallait d'abord qu'elle apporte une mincha spéciale, une mincha qui était une mincha de séorim, d'orge, de farine de séorim, et maintenant, de manière générale, dans une mincha, alors il faut distinguer, dans tout ce qui est kadosh en fait, il y a ce qu'on appelle gdushat damim et gdushat agouf. Soit, je prends un animal, je décide de l'apporter en tant que korban, il a une gdushat agouf. Je vais apporter à lui, je ne peux pas transférer cette douche sur quoi que ce soit. Lorsqu'il va, s'il va avoir un moum, il va devenir un, il va devenir invalide pour le betamim, pour le mesbéar. Alors là, sa douche va se transformer en une douche d'amim que je vais pouvoir racheter sa douche. C'est des principes généraux qu'on joue sous toute forme d'aspect de douche d'amim ou douche d'amouf. Ce qui se passe avec la mincha maintenant, dans tous les korbanot qu'on apporte au betamim dash, dans tous les menachot qu'on apporte au betamim dash, il y a un premier niveau où tu sanctifies la semoule, tu sanctifies la farine d'orge, en l'occurrence, sinon. Et pour le moment, c'est une gdusha. Maintenant, c'est une gdusha, tu peux décider de transférer sur autre chose. Tu vas dire, écoute-moi, cette farine-là, elle vaut 20 shekels. Je prends 20 shekels, je transfère la gdusha de la farine sur les 20 shekels, et la farine, elle devient profane, tu peux l'utiliser si tu veux. À condition que cette farine n'ait pas encore passé dans un klisharet. Le klisharet, c'est quoi? C'est l'ustensile du Beth Amikdash. Dès qu'il a été reçu par le Kohen, il a fait rentrer dans le Kli Charet, il est Mekadesh, il va sanctifier. Dès lors, si ta mincha va passer la nuit, elle va être invalidée, et pire que ça, si elle va être impurifiée, tu ne peux plus la racheter, il faudra la brûler. D'accord? C'est ce que le premier dîner de la Mishnah, donc, sa mincha, Nifmet mincha ta'achelo kochabekli, sa mincha a été impurifiée tant qu'elle n'a pas été sanctifiée dans le sensil. Alors dans ce cas-là, Arei Kechol Aminachot, Betibadeh, elle est comme toutes les autres narodes, elle pourra être rachetée. Tu pourras transformer la gdusha sur une autre, parce que pour le moment, elle n'a pas été sanctifiée dans un ustensile du Beth Amikdash. Par contre, Vimeshekitcha Bekli, dès qu'elle a été sanctifiée dans l'ustensile du Beth Amikdash, en or, en argent, les ustensiles qui étaient du Beth Amikdash, avec lesquels on reçoit les korbanot, dès lors, Arehi Kechol Aminachot, cette mincha devient comme toutes les autres menachot, elle prend le même statut que toutes les autres menachot, mais elle va être brûlée. Fin de la première partie de la Mishnah, donc retenez bien, la mincha. Pour le moment, elle apporte, elle a mis dans un panier. Alors, dans ce panier-là, elle pourra, pour le moment, s'ils veulent, ils pourront transférer la gdusha ailleurs. Mais dès qu'elle a été, elle est entrée dans le sens du Beth Amikdash, elle passe de grade de gdusha, et c'est une gdusha qu'on ne peut plus racheter d'aucune manière. Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, Belo Bishu Minchoten, Nisratot. Ce sont les femmes pour lesquelles, les sotot pour lesquelles on va brûler sa mincha et ne pas finir le korban. Je m'explique très rapidement. La plupart des menachot, lorsque tu apportes une mincha au Beth Amikdash, alors le Kohen il va récupérer le sensil, il va prélever une pincée, la mettre sur le misbéach, et le reste sera consommé par les Kohanim. À une exception, c'est une mincha d'un Kohen qui l'apporte. Lorsque un Kohen apporte une mincha au Beth Amikdash, la Torah dit, le chol minchat kode et Kohen, kula toktar, quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est pas ce que exactement, elle devrait être brûlée entièrement, on a déjà évoqué le principe. Il y a longtemps, quand tu es menachot, ça monte un bout de temps, que lorsque tu apportes une mincha, tu apportes un mincha au roi. Le roi la réceptionne, prend un petit peu pour lui, qui vient chol, je parle en machal, en parabole, mais le roi il va prendre un petit peu pour lui, il va donner à ses ministres ensuite de manger le reste. Mais lorsque c'est le ministre lui-même qui apporte, le roi il prend pas un peu, il redonne au ministre, sinon le ministre n'a pas apporté de cadeau. C'est le même principe, les Kohanim, lorsqu'ils reçoivent une mincha de Béni Israël, ils font brûler le comète, ils mangent tout le reste. Mais lorsque c'est un Kohen qui apporte la mincha lui-même, alors il faut la brûler entièrement.
D'accord ? Ça, c'est une mitra qu'on est brûlée entièrement. En général, les autres menachot, elles ne sont pas brûlées entièrement. Pour la sota, il va y avoir des menachot qu'il va falloir brûler entièrement, intégralement. Quel est le principe ? D'abord, je traduis la série, après, j'explique. Vélo menachot chez Nisrafot. Tellement le menachot, les bchéminchotènes Nisrafot, tellement le menachot qui va être brûlé intégralement, les menachot de sota. À Omer, la femme qui va dire Tmea anilecha, je suis impur, elle reconnaît son tort avant de boire ou avant de boire l'eau de la sota, elle dit je tiens plus au. J'arrive plus à camoufler, j'ai fauté, je suis impur, donne-moi mon guette. Et ben on va la libérer et elle ne va plus boire les eaux. Et la mitra qu'on est en train de faire, il va falloir la brûler entièrement. Ou, pas sur le Tamigdash, mais dans le Beth Adeshen, là-bas, on a porté tous les corbanotes qui ont été invalidés. La mitra devient invalidée, en fait, c'est le principe. Et je vais expliquer après le principe. D'abord, je traduis les 4 ou 5 cas, je ne sais plus. Mais Shel Baoula et Dim Sheikmea, ou de même aussi, c'est une sota, qu'il y a eu des témoins qui sont venus qui ont dit qu'elle est impurifiée, donc de nouveau, on n'a plus d'intérêt à faire cette sota. Cette mincha, Veromeret et Nishoto, bien la femme qui reconnaît qui dit qu'elle n'a plus envie de boire, c'est-à-dire quoi qu'elle n'a plus envie de boire. Elle a trop peur, elle ne nous dit pas clairement qu'elle a fauté, mais elle n'a plus envie de boire. Ça contredit un peu ce qu'on a vu là, parce que le monde avait vu qu'on m'a forcé à boire. Apparemment, je suppose, on n'a pas encore effacé les eaux de la sota, mais une fois qu'on a senti le dans le clip, c'est trop tard, elle ne pourra plus. Elle pourra plus. Si elle reconnaît maintenant, elle dit à la femme qu'elle ne veut plus boire, sa mincha, elle ne sera malgré tout plus finie, on ira la brûler au bout des chaînes. Le Shebala et Norotzela, je peux dire encore une femme que son mari ne veut pas la faire boire. Ouais. Il nous dit, écoutez, ça sert à rien de la faire boire, elle ne m'intéresse plus. Je tiens plus à elle, c'est trop, elle a fait trop, même. Ben, il faut comprendre, même une sota de même, si elle n'a pas fauté, c'est une femme qui s'isole, qui s'isole avec un homme, alors que le mari lui interdit. De toute façon, elle a un problème, il en a marre, il ne veut plus. Et il refuse à la faire boire, ou bientôt, ouais. Le Shebala, Baléa, Badrach, encore une femme que son mari est venu. A eu un rapport avec elle lorsqu'ils étaient en route. C'est-à-dire, on a déjà appris que depuis le moment où le mari apprend que sa femme a un soupçon d'écart, il n'a plus le droit d'avoir de rapport avec elle. On l'a déjà évoqué. Et de ce fait, si jamais il va avec elle, c'est fini. Les eaux de la sota ne pourront plus la vérifier. Donc la femme, elle va voir la sota, elle ne va pas mourir. Et elle ne va plus être vérifiée. Donc l'eau. Alors maintenant, j'explique le principe de notre Mishnah. Je laisse la dernière phrase pour après. La dernière phrase après, c'est quelque chose qu'on a évoqué avant, mais c'est une autre. Il y a le groupe des 5, et après, il y a le cas prochain, c'est autre chose. La mincha de la sota a la singularité d'être une mincha qu'on apporte avec un but précis, pas pour apporter une kapara, mais pour permettre aux eaux de la sota de vérifier ensuite. Ouais. C'est un peu comme un sham taloui. C'est un korban que tu apportes sur un safek. C'est un corban que tu apportes pour vérifier une situation. Si tu te vas en plein milieu que tu es en train de commencer à apporter ce corban, finalement, le doute que tu avais s'éclaircit, et bien tout ce que tu es en train de faire, ça s'arrête là, on arrête tout, il n'y a plus d'intérêt à continuer. Vous avez compris le principe? Ça peut être dans un Hacham Taloui, un corban Hacham qu'on apporte parce qu'on sait plus quand on transgresse Shabbat ou pas transgresse Shabbat, parce qu'on a mangé une graisse interdite ou pas. Dans tous ces cas, tu dois apporter un Hacham Taloui si tu veux. Tu n'es pas obligé, si tu veux, tu peux apporter un Hacham Taloui. Qui va suspendre le honnêche au cas où. Si en plein milieu tu es en train d'apporter le corban Hachem, tu risques que, ah, mais finalement j'ai oui, j'ai fauté. Tu arrêtes tout maintenant, tu changes de statut, tu devras prendre un corban ratat. Même principe avec la sota. C'est la même idée. C'est un corban qu'on apporte parce qu'on a envie d'éclaircir une situation. Si on ne va plus éclaircir la situation parce que la situation s'éclaircit d'elle-même, parce qu'on n'a plus d'intérêt à éclaircir parce que Marie ne veut plus d'elle, parce que la femme, elle ne veut plus de toute façon voir, elle préfère divorcer. Alors dans ce cas-là, tout s'arrête, la mincha, on la prend, on va l'amener au Beth Adeshen, un endroit où on brûlait tous les corbanotes qu'on avait invalidés, et c'est fini, on ne pourra plus l'apporter au Beth Amigdash, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on a vu chez Bala, Balea, Baderech aussi, ça rend dans le même cas aussi que le mari qui a eu un rapport avec sa femme, alors qu'elle est interdite, elle lui est devenue interdite, donc la sota ne va plus pouvoir vérifier. On était en train de, pour le moment d'apporter un corban en vue de la faire boire, on apprend qu'on ne peut plus la faire boire de la sota, on n'a plus d'intérêt à continuer, tout est invalidé, on sort tout au Beth Adeshen. Et le dernier cas, c'est Cholen Sotra Kohanim, Minchoten Israfot. Et toute femme qui était mariée à un Kohen, alors sa mincha va être brûlée. Là, c'est ce qu'on expliquait avant tout à l'heure, que lorsqu'un Kohen apporte un korban, une mincha plutôt, alors il n'y a plus que maintenant on va prendre la petite pincée pour le misbach et le reste va être consommé par les Kohanim. Il faudra la brûler entièrement. Dans une mincha classique, on met tout sur le misbach et tout est brûlé, intégralement. Pourquoi? Comme ce qu'on expliquait, toi, tu m'apportes un cadeau. Un plateau de chocolat, par exemple, je ne veux pas prendre un petit bout de chocolat et je te donne tout le reste à manger, sinon tu m'as fait aucun cadeau, tu as tout gardé pour toi. D'accord? C'est le principe. Donc lorsqu'un Kohen apporte un korban, une mincha,
Alors tout est brûlé. Maintenant là, on a cette femme-là qui est très particulière. D'ailleurs, ça va être le thème pour le tremplin pour entrer ensuite dans la prochaine Mishnah. On va essayer de comparer les trois des Kohen et des Kohanot. Mais pour le moment, on a quelque chose d'original. On a une mincha que le Kohen est marié à une femme qui était une Bat-Israël. La mincha qu'elle doit apporter, c'est une mincha en association un petit peu du mari, un petit peu pour la femme. Elle vient sur le compte des deux en même temps. Donc du coup, le fait que le mari la porte, que c'est un Kohen, il va falloir brûler. Mais le fait que c'est la femme qui la porte aussi, alors on ne va pas faire qu'on va prendre toute la mincha, on va l'ajouter sur le mitzvah. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va faire moitié-moitié. Pas moitié-moitié. On va faire le kometz et le reste. On va prendre la pincée, on va le brûler sur le mitzvah. Le reste, on ne va plus le consommer, mais on ne va plus le faire monter sur le mitzvah non plus. On va l'amener intégralement au bêta des chaînes, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.